juste cette petite vidéo pour vous montrer que après un essai raté en Ouzbékistan, je suis enfin arrivé à la mer d'Aral. Je suis carrément dans la mer d'Aral, puisque là je marche au milieu de ce qui était la mer d'Aral. Donc pour moi, j'ai réalisé un de mes rêves, oui, n'exagérons pas non plus, une de mes envies, un de mes projets touristiques, celui que de voir ce qui est maintenant une mer asséchée, la mer d'Aral. Voilà, vous êtes bien au milieu. On le voit de plus en plus, on va pas s'avancer plus parce que on ne sait jamais, il faudrait pas qu'on finisse au milieu de sable mouvant. En face, ce que vous voyez, c'est des anciennes usines qui traitaient le poisson. Voilà, je vous dis encore à très bientôt. J'avance toujours dans mon voyage, malgré de multiples difficultés. Vous lirez ça sur le blog. Pour moi, c'est toujours un plaisir, même si c'est, allez, on va le dire, difficile, parce que les difficultés de langage sont quand même assez importantes. Voilà, on ne se comprend pas toujours et le russe, ben, je ne maîtrise pas vraiment. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain texte. Voilà, allez, je vous laisse sur ces dernières vues de la mer d'Aral asséchée. La partie asséchée, parce qu'il faut être honnête aussi, il y a une partie qui est aujourd'hui remise en eau. Là, en face, on voit aussi encore d'anciennes usines de touristes russes. Les rares touristes russes. Thank you.